Ah, c'est les boules de Noël. C'est quoi qui fait? C'est il y a un rat derrière mon truc là. C'est les guirlandes. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. On continue notre semaine de vidéos. Et là on va chercher Illico et Lily pour faire une petite balade en dextre. Donc moi je serai sur Lily et du coup j'ai Illico à côté avec une grande longe et comme ça Stéphanie est là en sécurité au cas où ça se passe mal, comme ça je lâche Illico et puis elle s'occupera d'Illico. On n'a jamais fait avec ces deux là donc on va faire un petit test et puis bah vous verrez ça en direct. Et du coup on s'excuse pour le bruit du vent si vous l'entendez. On va essayer de mettre une petite moumoute mais il y a beaucoup de vent donc voilà. C'est bon, je vais encore compter. Il a fait prendre l'arbre. Il aurait mérité de se prendre un coup la jaquette quand même. Parce qu'il est tout le temps en train de l'embêter. Oh, oh hey. Bien sûr, les deux qu'il nous faut. Ils ne viennent pas. C'est vous deux là-haut, hein. Ah ouais. Tout droit. Doucement, Illico. Voilà, oh non, ça c'est va. Bon, ça gère. Nos problémos. T'as la sacrée coupe de cheveux là. T'es beau. C'est le vent. Ouais. Oh, la jaquette. Il y a ce mêlé des affaires des autres. Tu t'appelles Bufabis, toi en fait. Coucou. Le Graal. Ah, c'est un peu plus à droite. On y va? Oh là là. On a une Lily qui a la flemme aujourd'hui, comme d'habitude. Et attends, viens voir gros, je te change ta longe. Non, non, hé Lily. Pouds, calme-toi. Lily va te manger sinon. Le Pouds, il... Ça, c'est indien en dextre, tu vois.
Alors c'est soit devant, soit derrière, mais à côté c'est pas possible. C'est indien en anglais. Lily. Lily. Lily est pas contente du tout. Non mais si, Illico, tu restes calme. Non, non, Lily, reste à droite. Reste à droite. Allez! On va à gauche, ma fille. Illico! Ok. J'ai un problème de poutre. Non, je dois t'aider. Allez, Illico! Grosse patate. Dans le droit chemin, mon titi? Super. Ok. C'est un problème de poutre. Voilà. Lily, je te vois, hein, les oreilles en arrière là. On dirait jackpot. La meuf, elle a plus d'oreilles. Et Lily, je suis là, hein. Lily, si t'avançais. Et. Oh, y a un chien derrière. Oh, il y a un chien derrière qui a l'air bien bien excité. Ouais. On va le laisser passer. Voilà. Attends, Illico. Là, on va laisser passer le chien fou. Non, non, tu bouges pas. C'est peut-être plus facile de conduire un cheval qu'un chien. Doucement, Illico, s'il te plaît. Lily aussi. Ah, puis lui, il déteste la boue. Lily. Désolé, Illico. Mais Illico, si tu te poussais. Voilà. Non mais. Lily. Allez, passe devant. Voilà. Très bien. Non, non, et Lily, on va à gauche. Reste bien à droite. Je sais, Lily, t'aimes bien être à gauche là, mais. De toute façon, il y a un arbre, j'ai un genou. Tu fais quoi, Lily? Tu fais caca ou quoi?
pas de bêtises parce que là ça glisse, ma grosse. Allez, ma fille, marche, mais doucement. Voilà, c'est bien. Doucement. Très bien, ça. Lily, faut que tu le... Ah oui, bah réveille-toi, Lily. Hein. Je mets des jambes, l'autre, elle se réveille pas. Allez, pousse-le, Lily. Voilà. Qu'est-ce que t'as? Doucement, Lily, gosse, s'il te plaît. Il est pénible, Illico. Je vais te donner un coup de main. Allez, Lily. Là. Voilà. Là. Tu bouges pas. Voilà, là, t'es bien. Oh merde, un vélo. Non. Lily, il y a le fil à gauche par contre. Mais je vois pas pourquoi il se met devant. Pourquoi il se cale devant elle? C'est très bien ça, les deux blonds. On peut tourner. Wow! Bien, super! Moi, j'ai plus qu'à courir derrière. Galop. Voilà, et on reste trop tranquille. Tranquille. Tu sais faire tranquille, Lily. Je sais très bien que tu sais faire tranquille.
Alors on s'arrête là, Lily, on attend. Non, non. On marche, Lily, on marche. C'est fini la fête, c'est bon. Je vais avoir une courbature à la main droite. Calme-toi, ma Lily, tu vas crever là. Ça y est, Lily, elle peine. Bah oui, ma fille. Je n'ai pas demandé d'aller si vite non plus, hein. Eh bah, t'es en forme, hein. Ça fait plaisir. C'est bon, Lily, c'est bon. C'est bon, fais plus la course, on fait plus la course. On est en vie! Regardez-la comme elle est optimiste. C'est bien. Oh! Pouf. Illico n'a rien capté! Ah, j'ai fait un garage pas correct ça. C'est pour aller aux bonbons. C'est bien! Je vais leur donner des bonbons. Tiens-moi, Titi, mange pas tout, il y en a pour Lily. Bien sûr. Tiens, ma Lily. Bravo. C'est bien. Ah, il est par terre. Par terre. Tiens, ma fille. Oh. Elle est bien repassée au trot, mais pour repasser au pas. Bah je courais mais ça servait à rien. J'avais beau courir, j'avais l'impression que vous étiez toujours plus loin. J'en ai pour toi, t'inquiète pas. C'est bien. Quoi? Est-ce que vous êtes vraiment en train de leur redonner des bonbons? Oui, parce que c'est un yeah. Je suis épuisée. Je vais me coucher. Les commères, on est attendu. Enfin, c'est pas nous qu'ils attendent. Hein. Ah, c'est les granus. Est-ce qu'ils meurent de faim? Oh, ils sont trop mignons. Le jackpot. Il a peur de rien, lui. Pas trop de galère. Et après on allez. Allez go. Attends. T'as pas besoin de les appeler, je pense. Non. Donner à la UFA. Ah, attendez, attendez. Ah, je me suis emmêlée dans le fil. Jackpot. Attends, Steph. Il mange avec. Elle l'a viré? Oui. Jackpot! Tiens. Oui, laisse-la dans un arbre. Oh là, on voit rien, je pense. Pourquoi? Bon, j'avais oublié que j'avais la caméra dans la main, quoi. Voilà. C'est bon. Hop. Knock. Hop. Voilà. Ça les fait chier, mais c'est pas grave. Puis knock. Ah, ça y est, elle a mangé. La vieillesse arrive. Il y a un petit cheveu blanc. Oui, là, ici. Bah, chichu, tu es vieille, ça y est. Tu veux d'endives? Non, je veux des granulés. Tiens, il y a des d'endives là. Viens. Non, non, l'intrus. Tu leur fais peur aux ânes, toi. Non, non. Oh, quel chieur celui-là! Tiens mon Janus,
Il n'y a plus rien, mais comme tu étais en train de racler le fond. Voilà. Souris. Souris. Oui. Très bien. Nous avons terminé notre petit après-midi. Ils ont eu leur granulé comme vous avez pu le voir. Donc comme vous avez pu le voir en GoPro ou en caméra. Ça s'est plutôt bien passé. Illico il comprenait pas trop en fait quand Lily elle s'arrêtait. Alors je ne sais pas pour quelle raison elle s'arrêtait hein, mais voilà. Illico il passait, il avançait et vu qu'il sentait une pression sur sa longe, donc à droite, puisque moi j'étais à droite de lui, et bah il se mettait devant Lily, sauf que du coup Lily elle osait plus avancer parce que sinon elle allait écraser. Donc c'était un peu compliqué, il y a plusieurs fois où Stéphanie du coup elle a dû le faire reculer, Lily est passée et puis c'était bon. Et du coup on a essayé de trotter après le virage, comme vous pouvez le voir on a effectué avec brillance le virage. Donc je voulais juste trotter à la base et en fait je les sentais bien à fond et ça se passait plutôt bien. Donc j'ai demandé à Lily le galop, de toute façon si ça se passait mal, je lâchais Illico, je me concentrais sur Lily pour pas que tout le monde se mette en danger, parce que je sais qu'Illico il allait pas aller loin, puis de toute façon il y avait Steph derrière nous, donc il y avait aucun risque. Et puis comme vous pouvez le voir, ça s'est très bien passé, j'ai lâché un petit peu de longe à Illico pour qu'il prenne un peu plus de distance, parce que bah du coup il est plus petit, donc forcément il faut qu'il accélère encore plus, puisse prendre de l'élan et puis arriver à suivre Lily. Et puis ça s'est plutôt bien passé. Alors pour repasser, parce qu'il y a une route qui passe comme ça, et nous on passe comme ça, donc du coup j'ai dû repasser au trot. Lily, nickel, elle est bien repassée au trot. Et après en fait elle a l'habitude qu'on reparte au galop sur où Stéphanie nous a rattrapé sur le un peu le plate-bande là. Et du coup je suis quand même restée au pas parce que Illico bah, il est petit. Et puis moi j'avais pas envie d'infliger 4 galops pleines balles. Et puis voilà, c'était un peu compliqué de l'arrêter Lily pour que Steph nous rejoigne, mais on a bien réussi. Après on a retrotté et puis après on était au pas tranquille, enfin tranquille non, mais très 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 à fond. Et du coup Illico aussi, c'était un peu compliqué pour ma main droite qui tenait que Lily, du coup et la gauche elle tenait Illico. Et mais c'était plutôt pas mal. Donc voilà, les explications sont faites. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à demain. Bisous.